Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuekishuot by Kelima.fr. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir plus de 30 verbes en langue turque. On a déjà vu les verbes les plus utilisés et maintenant on va continuer avec d'autres verbes. Et dans les jours qui viennent, Inch'Allah, je vais vous mettre dans les shorts de YouTube, c'est-à-dire les petites stories de YouTube, un exemple pour chaque verbe. Donc restez branchés. Maintenant, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On commence avec le premier verbe qui est le verbe ouvrir. Ouvrir en langue turque, c'est açmak. Je répète, ouvrir, c'est açmak, avec un ç et pas un j. Açmak. Comme je vous l'ai dit, dans les jours qui viennent, petit à petit, je vais vous mettre un exemple pour chaque verbe dans les shorts de YouTube. Le deuxième verbe, c'est le verbe fermer. Fermer en langue turque, c'est kapatmak. Je répète, kapatmak. Fermer, kapatmak. Gagner, c'est kazanmak. Je répète, gagner, kazanmak. Perdre, c'est kaybetmek. Je répète, perdre, c'est kaybetmek en langue turque. Mourir, c'est ölmek. Je répète, mourir, ölmek. Mettre, c'est koymak en langue turque. Je répète, mettre, c'est koymak. Tomber, c'est düşmek. À ne pas confondre avec düşünmek qui veut dire penser. Donc düşmek, c'est tomber. Düşünmek, c'est penser. Donc, tomber, c'est düşmek en langue turque. Trouver, c'est bulmak. Je répète, trouver, c'est bulmak. Brûler, yakmak. Je répète, brûler, c'est yakmak. Rire, gülmek. Je répète, rire, gülmek. Pleurer, ağlamak. Il y a le gémeau ici, ağlamak. Je répète, pleurer, c'est ağlamak. Mordre, c'est ısırmak, avec un e et pas un i. Isırmak. Mordre, ısırmak. Attaquer, c'est saldırmak. Je répète, attaquer, saldırmak, avec un E, saldırmak. Respirer, nefes almak. Nefes almak, c'est respirer. S'évanouir, c'est bayılmak. Je répète, s'évanouir, c'est bayılmak. Aider, c'est yardım etmek. Je répète, aider, c'est yardım etmek. Yardım etmek. Rencontrer, c'est tanışmak. Je répète, rencontrer, c'est tanışmak. Partager, c'est paylaşmak. Je répète, partager, paylaşmak. Cacher, c'est saklamak. Je répète, cacher, c'est saklamak. Avertir, c'est uyarmak. Je répète, avertir, c'est uyarmak. Nager, c'est yüzmek. Nager, yüzmek. Payer, c'est ödemek. Je répète, payer, ödemek. Mesurer, c'est ölçmek, avec un ç, ölçmek. Mesurer, ölçmek. Couper, c'est kesmek.
Je répète, couper, c'est kesmek. Acheter, c'est satın almak. Acheter, c'est satın almak. Et vendre, c'est satmak. Il ne faut pas confondre entre acheter et vendre en entier. Alors, acheter, c'est satın almak et vendre, c'est satmak. Jeter, c'est atmak. Je répète, jeter, c'est atmak. Frapper, c'est vurmak. Je répète, frapper, vurmak. Attendre, c'est beklemek. Je répète, attendre, c'est beklemek. Jouer, c'est oynamak. Jouer, oynamak. Célébrer, c'est kutlamak. Kutlamak. Je répète, célébrer, c'est kutlamak. Verrouiller, c'est kilitlemek. Je répète, verrouiller, c'est kilitlemek. Sécher, c'est kurutmak. Je répète, sécher, c'est kurutmak. Peindre, c'est boyamak. Peindre, boyamak. Dormir, c'est uyumak. Je répète, dormir, c'est uyumak. Et notre dernier verbe est laver, qui est yıkamak. Je répète, laver, c'est yıkamak. On répète tout ça depuis le début. Ouvrir, açmak. Fermer, kapatmak. Gagner, kazanmak. Perdre, kaybetmek. Mourir, ölmek. Mettre, koymak. Tomber, düşmek. Trouver, bulmak. Brûler, yakmak. Rire, gülmek. Pleurer, ağlamak. Mordre, ısırmak. Attaquer, saldırmak. Respirer, nefes almak. S'évanouir, bayılmak. Aider, yardım etmek. Rencontrer, tanışmak. Partager, paylaşmak. Cacher, saklamak. Avertir, uyarmak. Nager, yüzmek. Payer, ödemek. Mesurer, ölçmek. Couper, kesmek. Acheter, satın almak. Vendre, satmak. Jeter, atmak. Frapper, vurmak. Attendre, beklemek. Jouer, oynamak. Célébrer, kutlamak. Verrouiller, kilitlemek. Sécher, kurutmak. Peindre, boyamak. Dormir, uyumak. Et laver, yıkamak. Ce cours sur les verbes en langue turque est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.